Les gens sont mal polis. Coucou. Je voulais dire, préviens-nous quand tu sors, on vloguera. Je me permets une courte interruption pour vous donner quelques informations. Depuis que j'ai pris la charge du montage de nos vlogs, les filles se sont vachement relâchées au niveau des prises de vue. Donc, dans ce vlog, il va y avoir beaucoup de moments où on ne sait pas du tout ce qui se passe. Ça va être découpé en petites scènes qui sont, selon moi, les scènes phares et vraiment indispensables pour vous de voir afin de passer une bonne semaine. J'espère que vous allez apprécier et que vous ne m'en voudrez pas trop d'intervenir de temps en temps pour mettre un peu de contexte. Bon visionnage. Acte 1, la préparation. Je comprends pas comment c'est censé fonctionner. Bah, je sais pas non plus, c'est Flo qui le fait d'habitude. Non, tu démerdes. Qu'est-ce qu'on ferait sans les hommes finalement, genre bah, quoi, tu être neutre sans eux. Oui, mais on peut pas nouer un top, par exemple. C'est vrai, ça. Tu veux nous en dire plus? Bonjour. Acte 2, le souris gate. Mais c'est comme si tu mettais une vidéo. Petit, roule tout. Ah, c'est pas grave, le mien, si déjà tu as libéré l'espace de... Bah, c'est... Je suis pas encore terminée. Je voudrais faire un room tour du coup, mais bon, je me suis fait éjecter. Alors, la petite douche. Oh, c'est le truc, il y a la pub sur TikTok. C'est vrai? Oui. Moi, je l'ai acheté depuis bien plus longtemps. Ah, bah, t'es trop maline en fait. C'est vidéo, ouais. Ça, c'est voilà la petite bathroom, comme disent les jeunes. Les missiles, regarde mes cils. Waouh! En même temps, ça a pété celle-là. Les toilettes. Bah, en même temps, j'ai de quoi. Oui, c'est vrai. La kitchen, voilà. Derrière ceci vit une souris. C'est mon appartement en fait. C'est la part de la souris. Elle est autour chez toi, tu es chez elle. Non. Vas-y, Lisa, rencontre-toi. Alors attends, il faut que je sorte toutes tes affaires là parce que. Hier soir, je me suis retrouvée face à face avec une souris. Et donc, on en a déduit avec mes parents pendant que j'étais en train de parler au téléphone qu'il y avait un trou. Parce que la souris est forcément arrivée par un trou parce qu'elle prend rarement la porte pour rentrer. C'est vrai. Ou alors je l'aurais peut-être vue si elle m'avait accompagnée. Peut-être. Voilà. Oh. Et attention. Du coup, j'ai acheté du mastic pour pouvoir boucher les trous. Et actuellement, c'est Lisa qui bouche les trous parce que je me chie dessus. Voilà. Il faut bien que quelqu'un soit courageux. Regardez la petite cour trop mignonne. C'est quoi son adresse, Camille? 33. C'est l'heure de l'apéritif sur la petite terrasse de Camille. Le bourdon terrestre, il vit pour le coup dans toute la France. Ils ont un vol stationnaire. Le fait est que le bourdon a cette capacité musculaire qui lui permet de battre très vite des ailes et donc d'atteindre des petites fleurs sur lesquelles il n'y a pas moyen de se reposer. C'est le Tsviva. C'est le Tsviva. C'est le Tsviva. Non, c'est du vent. Acte 3, la course poursuite. En effet, Camille avait réservé pour nous un stand-up auquel nous devions assister. Sans grande surprise, nous étions en retard. Sans grande surprise, cela a stressé Camille. Nous voici donc dans une course effrénée à travers Paris pour essayer et ne pas réussir à être à l'heure. Ça va s'il bouge pas. Lila, chop chop. Et il faut qu'on déduise le stand-up aussi. C'est vite vite. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de fumer dans le stand-up, mais c'était très rigolo. C'était vraiment trop drôle. Et on a vu Hakim Gemini qui ne s'appelle pas Okiri. Et on a vu Farid aussi. Et c'était bien. C'était très très drôle, sauf le troisième qui a parlé de charge mentale. Mais je vais en parler tout le reste de l'année. Lisa, les triggers. Ouais, mais je peux pas avoir les 14 décès. Bon, on marche. Possibilities. Où est-ce qu'il y a Colmar? Ah, là, il y a Colmar. Oui, il y a Colmar. J'habitais à Colmar pendant 3 mois et demi. Acte 4. On est juste allé s'en mettre plein le ventre dans un super resto qui faisait moins 50% sur la fourchette. C'est pas très intéressant pour vous, mais moi, je vais m'en rappeler. C'était un régal et j'ai payé 7 euros. Acte 5. Le morning bro lift.
Rise and shine. Elle a risé depuis bien longtemps, la Lila. Ouais. Moi, je shine pas encore. Non, non, c'est celui qui fait des tatouages ou... Non, il fixe les poils de sourcils un peu en hauteur. Bon, en fait, ça te colle les poils. Ça les colle pas, ça les... Ils sont collés. C'est-à-dire qu'ils domptent les poils. Ouais, c'est ça. Et ça tient quelques semaines. C'est comme une permanente, mais des sourcils. En gros, ouais, c'est ça. Ah. Tu vois. Tu veux avoir une permanente de sourcils? Ben non, ils vont pas frisoter. Mais non, mais une permanente, c'est aussi... Non. C'est comme le bon lissage brésilien. Tu peux déjà faire ce que... Regardez ce que ça fait en le fixant comme ça. Ouais, trop bizarre, putain. Ils ont rien à foutre des sourcils. Il y a que toi qui n'as rien à foutre, Lisa. Il y a que moi qui n'ai rien à foutre. Acte 6, Lisa, la fashionista. J'aimerais quand même qu'on apprécie... c'est certes un slim, mais il est clair et j'aimerais qu'on apprécie l'effort. Merci. Parce que il est bon. Acte 7, le brunch gate. Bonsoir, enchanté. Your hands on my face. Embrasse-moi, mon soleil. Say you die for me, babe. Bah, on avait une réservation à 13h pour bruncher pour un petit café qui avait l'air très sympa. Et en fait, ils nous ont dit d'aller se faire foutre. Ils ont dit à peu près, oui, vous avez une réservation et oui, on n'a rien à foutre. On est complet en fait, on a pris trop de Risa, donc merci. Donc on part. Là on a envoyé des troupes chercher ailleurs. Moi ça a été pas très fructueux et Lisa, ça l'a été. Du coup, donc on va chez Lisa. Voilà. Putain, pas choix. Come and fly with me. Une conclusion sur ce repas? C'était bien. Mais j'avoue que voilà, j'étais partie avec autre chose. D'accord. Et vous? Moi c'était sympa, je suis full, j'aurais pas dû autant manger. Montrez votre ventre. Ah, le baby. Et vous? Moi je suis très contente, c'était très bon et je vais enlever le reste de mon pain perdu. Comme ça vous m'aurez encore cet après-midi. Et le baby, comment il va? Le baby, il est... On va être maman en même temps. Ah, trop mignon. C'est le moment de laisser des avis négatifs chez Mareva pour se venger, parce qu'on aime la vengeance. Nous allons écouter à tour de rôle chacun de nos avis. C'est bon. J'ai pas encore fini, je suis en train de rédiger. Elle est stressée. Mais rédige. Pleine créativité là. Félicitations à la patronne qui prend et confirme des réservations au-delà de la capacité de son restaurant et qui laisse sa pauvre serveuse gérer les clients mécontents. C'est la première fois de ma vie que je me fais refouler d'un restaurant malgré avoir réservé bien à l'avance et avoir passé 50 minutes dans le métro pour venir. Et il me faut une conclusion pour ça. Connasse. Youpi! Une étoile. Quelle déception. Fin de suspension. Nous avions réservé ce brunch entre amis depuis déjà plusieurs jours. Quelle fut pas la déception lorsque nous sommes arrivés et que la serveuse, complètement sous l'eau, nous annonce que nous n'aurons pas de table étant donné que la patronne a décidé de prendre bien trop de réservations même. Comment est-il possible de se faire refuser une table réservée en majuscule? N'est-ce pas le principe de la réservation? De nombreux autres groupes étaient dans notre cas. Déplorable. Il faudrait peut-être songer à prendre des cours de management avant d'ouvrir un restaurant. Simple suggestion. Nous ne reviendrons pas, mais souhaitons beaucoup de courage à la pauvre serveuse devant payer les pots cassés de ce manque de professionnalisme. Très beau, très très beau. Un cafodisme. Alors Lila, où est le marché de plus? Bon, on ne sait pas. On est un peu sceptique. Comment est-ce qu'on retourne sur ce téléphone? Ouais, je crois qu'il y a plusieurs marchés. C'est de la merde. Après, tout le monde veut prendre des iPhones et en fait, on ne peut même pas retourner quand on fait des vidéos. Après une petite frayeur et des incompréhensions de localisation, nous sommes arrivés au puce de Saint-Ouen. Et c'est fort sympathique, ma foi. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. C'est juste un or qui n'a rien à voir. On est libre. Et on traîne. Ça va avec moi? On s'amuse à passer
Ah, c'est un peu gras maintenant. Ah, merci. Je suis triste. Parce que mes cheveux sont chiés. C'est quoi? On dirait Krusty le clown. Ça va brosser, ça va m'arracher. C'est trop beau. Vous utilisez quelle technique de coiffure? Le brushing californien. L'escargot rôti, on appelle ça dans le milieu. Mais maintenant, ça c'est plein d'ombre et tout ça. Putain. Il n'y a plus de musique. Ah, vas-y. C'est la déglingade. Ta cristallotte. Ah, j'ai appuyé sans faire exprès. Bah, du coup, je continue le vlog. On s'est inventé des nouvelles identités. Camille commence. Alors moi je suis dans la police scientifique. Moi je suis horlogière en Suisse. Mais mon mec habite à Marseille donc je fais des allers-retours entre Marseille et la Suisse. Mais vous vous mariez l'année prochaine. Oui, on se marie l'année prochaine, c'est mon neveu chef. Et moi je suis pilote d'hélicoptère. Comme mon mec. C'est super random putain. J'ai jamais dit au vlog, mais je suis pilote d'hélicoptère. Et si tu l'as dit hier? On a fait un vlog dans le bar. Je suis pas sûre qu'on entendra beaucoup, du coup je vlog. Oui, c'est vrai. Je suis pilote d'hélicoptère. Ok. Et ça consiste en quoi? À pilote des hélicoptères. Ça gagne bien parce que bah, les gens ils ont des pouvoirs aussi en général, donc c'est sympa. Tu as déjà transporté des stars? Ouais. Georges Canet. Georges Canet. Tu es allée jusqu'à LA? Je suis allée jusqu'à LA. Mais depuis New York, hein, pas depuis la France, parce qu'avec l'Atlantique, c'est compliqué. Avec sa femme Marion? Avec Marion Cotillon. Voilà, j'aimerais bien me mettre à mon compte bientôt, donc je vais m'acheter un petit R44 à 500 000. Tu vas faire une simulation du prêt, enfin, genre t'es allée voir. Ouais. En fait, je viens de finir de rembourser mon prêt pour la formation. Ah! Donc je me dis, c'est le moment de me remettre un crédit sur deux. Bah, du coup, oui, si tu cherches pas à acheter des maisons, bah, je dors dans mon véhicule, en général, ça. Tu fais du coup, Chantal? Moi, je suis en convalescence pour l'instant. On a fait une grosse chute tous les deux sur un Grand Prix Longines CA6 5 étoiles et tout. La jument a rien. Et moi, bon bah j'ai eu un petit souci. Hein, j'ai dû aller à l'hôpital et tout. Et on va reprendre les entraînements tranquillement. Donc, on va pas pour la prochaine saison. Parce que la saison de cette année, c'est un peu loupé, mais bon, on va reprendre tranquillement. C'est la santé. C'est ça. Puis on va commencer à préparer doucement les JO 2028. Ah ouais, ouais. T'as un bon niveau alors. Bah je suis professionnelle quoi. Enfin, voilà. Déjà pour faire du Longines, c'est assez 5 étoles, je veux pas dire, mais bon. Bah, par contre, je m'y connais pas trop en cheval. Moi, je suis plus dans les ailes, c'est pour ça. Tout ce qui est terrestre, c'est pas mon truc. Come and fly with me.